à tous. Donc Jean-David Barre, je suis le président de We Do Good et je suis présent ici avec mon associé Adrien Dehély, qui est là dans la salle. Avec We Do Good, on veut proposer une nouvelle vision de l'investissement dans les entreprises. Jusqu'à présent, un entrepreneur avait deux solutions principales, le prêt, qui est de moins en moins valable puisqu'il faut apporter de plus en plus de garanties, et l'investissement en capital. Avec Internet, on a de plus en plus le crowd investing qui se développe, le crowd equity. Mais quand il s'agit de gérer des foules en ligne, ça crée des problématiques de gestion et de coûts. Nous, on a proposé un nouveau mode de financement. On a voulu aller plus loin dans cette mouvance du financement participatif en proposant le financement en royalties, ou plutôt en échange de royalties. Qu'est-ce que c'est ? Bah, tout simplement, quand il lève des fonds, l'entrepreneur s'engage à reverser pendant 5 ans un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc c'est un pourcentage de son chiffre d'affaires qui est versé pendant une durée limitée et avec un plafond, ce qui lui permet d'avoir tout simplement un contrôle de sa rentabilité si effectivement son business se développe beaucoup. Le financement en royalties, nous l'avons mis en place parce que nous voulons réinventer la relation entre investisseurs et entrepreneurs en alignant tout simplement leurs intérêts. Quand on investit sur un projet en ligne, on n'a pas forcément besoin de participer à son assemblée générale. Par contre, on a envie que ce projet se développe, on a envie de le voir avancer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on aligne l'intérêt des investisseurs et d'entrepreneurs sur la croissance du chiffre d'affaires, d'une part, et sur l'impact positif qui va être généré par l'activité. Pourquoi l'impact positif ? Parce que nous avons dédié le financement en royalties aux entrepreneurs qui ont un impact social ou environnemental positif, parce que nous pensons que ce sont d'abord eux qui ont les meilleures solutions aujourd'hui, en tout cas qui ont le besoin des meilleurs outils le plus rapidement possible pour répondre aux enjeux auxquels on fait face.